Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Au sommaire, l'Assemblée générale de l'ONU accorde à la Palestine le statut de membre non permanent, une première étape vers sa reconnaissance en tant qu'État membre à part entière. Même si le chemin reste encore long, les explications de Maître Gilles Devert dans ce journal. À la demande de l'Algérie, le Conseil de sécurité de l'ONU donne son aval pour l'ouverture d'une enquête sur les charniers découverts à Raza où la population est encore une fois appelée à se déplacer, cette fois-ci vers le nord. Chez nous, nous sommes à la veille de l'examen de fin de cycle primaire, l'équivalent de la sixième qui a été allégée cette année. Nous verrons dans quel état d'esprit les élèves et leurs parents l'abordent. Et puis sport football, suite de la 25e journée de Ligue 1 et le coup d'envoi du Tour d'Algérie cycliste, nous retrouverons en direct notre envoyé spécial à Oran, Rostom Yahyachlif. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Pour commencer, retour sur ce vote fortement symbolique hier de l'Assemblée générale de l'ONU. Un vote qui accorde à la Palestine un statut de membre non permanent, une première étape d'un long parcours pour devenir enfin membre à part entière, mais qui risque encore de se heurter au refus du Conseil de sécurité. Les explications de l'avocat français, Maître Gilles Devert, avocat des victimes palestiniennes. Il est joint par Kalima Hasnaoui. C'est une évolution, ça prend place dans une évolution juridique qui est intéressante. Elle démontre que le seul qui bloque tout, c'est les États-Unis. Vu qu'il y a maintenant une poignée d'États qui collent aux États-Unis, dont l'Argentine et d'autres pays sont des micro-États, donc il y a vraiment que les États-Unis qui bloquent. Et il y a 25 abstentions, ce sont des États qui ne veulent pas se fâcher avec les États-Unis, qui veulent un bon relationnel diplomatique, qui veulent soigner leur base, leur économie, leurs emprunts. Ils mettent la pédale douce. Mais il est clair pour le monde entier qu'il y a un pays qui bloque la reconnaissance d'État, c'est les États-Unis. Deuxième point, c'est que ce mouvement juridique se traduit par le fait que dans les temps qui viennent, il va y avoir de nouvelles reconnaissances de la Palestine et notamment en Europe. On parle de l'Espagne, peut-être d'autres, on verra. Ensuite, ce que je trouve surtout intéressant, point de vue juridique, c'est que maintenant, il faut passer à un autre débat. Il faut poser la question, vous dites on reconnaît un État, mais quel État? Donc il va falloir être clair. L'ambassadeur palestinien à l'ONU, Riyad Mansour, a qualifié ce vote d'historique, tandis qu'à Ramallah, l'autorité palestinienne s'est félicitée d'un vote qui prouve que la Palestine mérite d'être membre à part entière. Le Hamas a également réagi et a salué la résolution, y voyant la réaffirmation de la solidarité internationale avec les Palestiniens. Suite au Conseil de sécurité convoqué la semaine dernière par l'Algérie sur les charniers qui continuent d'être découverts à Raza, les membres du Conseil ont adopté à l'unanimité un communiqué de presse, toujours sur proposition de l'Algérie, appelant à des enquêtes immédiates, indépendantes, approfondies, transparentes et impartiales pour déterminer les circonstances derrière ces charniers démontrant la cruauté de l'armée d'occupation. La machine de guerre de l'entité sioniste a étendu ce samedi l'évacuation de l'Est de Rafah, entamée en début de semaine en enjoignant la population des quartiers ouest cette fois-ci à se déplacer immédiatement. Des tracts, SMS et messages vocaux sont envoyés à la population disant que l'armée d'occupation va bientôt agir avec force. Lundi, l'armée d'occupation avait déjà annoncé une opération terrestre que la communauté internationale exhorte à cesser. Elle met en péril la vie de 1,4 million de Palestiniens entassés à l'extrême sud après plus de 7 mois de guerre. Et à la surprise générale, le président américain avait annoncé de cesser ses livraisons d'armes à l'entité sioniste. Ce que Joe Biden ne dit pas, c'est que cela ne concerne qu'une certaine catégorie d'armes, les moins meurtrières d'ailleurs. Décryptage de Pierre Conessa, ancien haut fonctionnaire au ministère français de la Défense. Il est joint par Kalima Hasnaoui. Biden suspend la livraison des bombes les plus lourdes, c'est-à-dire soit des bombes d'une tonne, soit des bombes de 500 livres. Qui sont des bombes à très gros effets destructeurs, et en y mettant une condition, c'est si Netanyahou attaque Rafah. Donc la présentation de son argumentaire consiste à dire qu'il va y avoir un massacre de population civile, donc on se demande quand est-ce que le compteur s'arrêterait dans la tête de Netanyahou si tout lui était livré. Cela dit, il ne faut pas en conclure qu'il y a une suspension du lien stratégique avec Israël, c'est-à-dire que de toute façon d'autres matériels sont livrés, et que n'oubliez pas que c'est une guerre urbaine, hein, c'est-à-dire que c'est une guerre urbaine que Israël ne veut pas affronter en la compensant par des bombardements aériens. Or, les bombardements aériens, enfin, moi, je ne connais pas de bombe qui fasse la différence entre des enfants, des femmes, des terroristes ou des vieillards.
Il est 12h35 minutes sur Alger, Chin 3. Chez nous, on entame demain les examens de fin d'année et les élèves de 5e année primaire ouvrent le bal, appelé examen de fin de cycle primaire. Celui-ci revêt un caractère un peu moins formel cette année que les années précédentes. Le nombre d'épreuves a été réduit de moitié, ce qui rassure à la fois les candidats et leurs parents. Soraya Roslan. C'est pour décompresser à la veille de cette évaluation que de nombreux élèves accompagnés de leurs parents se sont retrouvés au niveau de l'esplanade de Riyad al-Fitr. Ils sont venus de plusieurs wilayas du pays, histoire d'offrir à ces élèves un moment de détente avant de subir dès demain dimanche la première évaluation de leur cursus scolaire. Cet examen qui prend la forme d'une évaluation connaît cette année une nouveauté. Les matières sont réduites, le volume horaire aussi. Impression de quelques élèves venus de Médéa et de Réalizen. ايوا سي واحد ديال السيزيام نقصنا كاين اللي دارونا تلخيص في بزاف مواد دخلت الماده الصعيبه كامل اللي فكر فيها بزاف كاين الاسلاميه والتاريخ اللي لازم نفازو عليه حنا في رحله باش العقل تاعنا يستريح. Les parents saluent la nouveauté dans cette évaluation. Ils estiment que cela va contribuer à réduire la charge sur leurs enfants et leur permettre de se concentrer sur les matières essentielles. Écoutons ses parents. C'est une excellente initiative. Je salue cette mesure qui présente plusieurs avantages. Le ministère de l'Éducation a réduit les matières et les horaires car il y avait trop de pression sur les élèves. À titre d'exemple, il n'y a aujourd'hui que l'histoire et ils ont supprimé la géographie et l'éducation civique. Je pense que c'est excellent, ça permet aux élèves de se concentrer sur les matières essentielles. Nous saluons cette décision du ministère de l'Éducation nationale. Le programme est plus allégé et permet aux élèves de mieux se présenter à l'évaluation. Les élèves du cycle primaire vont subir dès demain dimanche et durant 3 jours l'évaluation de leur acquis durant l'année scolaire. Suivra ensuite les examens du BEM et du baccalauréat. Les professionnels de l'éducation se réunissent désormais sur le web, qu'ils soient retraités ou encore en activité. Ils partagent leurs connaissances sur des groupes dédiés à cela. Ils ont même mis en place un concours pour distinguer les membres les plus actifs. Alice Chachoua, notre correspondant à Bouira. Louable et originale initiative lancée par un groupe de cadres de l'éducation nationale sur les réseaux sociaux. Des professeurs et des inspecteurs profitent des nouvelles technologies. Ils utilisent l'espace bleu comme espace d'apprentissage et d'orientation, notamment au profit des nouveaux enseignants. Leïla Namani, enseignante et administratrice en groupe. Notre groupe renferme un nombre important de membres actifs dans le domaine de l'enseignement du FLE, notamment des inspecteurs, des professeurs retraités actifs, des parents d'élèves, dans le but d'accompagner, d'orienter et d'aider nos collègues enseignants, en particulier les professeurs stagiaires. Donc notre tâche consiste à dispenser notre expérience. En vue d'élargir le groupe et de l'enrichir avec plus de partage pédagogique, un concours virtuel a été lancé. Hassan Dawadji, inspecteur dans la wilaya de Riyad et administrateur dans plusieurs groupes éducatifs. Concernant notre initiative, appelée Miss ou Mister Enseignant Algérie, vise à reconnaître et à récompenser les enseignants qui se démarquent par leur dévouement et leur contribution remarquable et qualitative dans le domaine pédagogique à travers nos groupes sur l'espace bleu. On a lancé cette initiative en 2023. Et cette année, on a couronné M. Fahim Zadi, un éminent professeur dans la wilaya de Bouira. Fahim Zadi, enseignant des langues étrangères dans la wilaya de Bouira, apprend sa distinction via les réseaux sociaux. Franchement, j'ai été surpris par cette distinction. Ce titre honorifique m'a été décerné en guise de soutien pédagogique que j'ai apporté à mes collègues durant l'année en cours, que ce soit dans les groupes éducatifs ou bien en présentiel. Les nouvelles technologies sont d'un apport considérable dans tous les domaines. Il suffit de savoir en profiter. Bouira, Aris Chachoua, Algérien 3. Au volet politique, il y a pas mal d'activités. Ce samedi, le secrétaire général du RND organise un meeting populaire à Béjaïa. Les cadres militants et élus de Saout Chab tiennent un meeting à la Maison de la Culture de Sétif. Le président du mouvement pour la paix est à Guelma pour un meeting populaire lui aussi. Et le président du MSP préside les travaux du séminaire des cadres et des structures du parti à la SAFEX. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. Il est au micro de Smaïl Mimoun. Nous considérons que ces élections présidentielles sont des élections pour la nation. Ce ne sont pas des élections d'individus, ni des élections des lobbies, ni des élections qui se jouent sur des détails dans ce pays. Au sein du mouvement de la société pour la paix, nous affirmons que les élections présidentielles doivent être l'occasion de concrétiser les aspirations répétitives du peuple algérien dans toutes les transformations
transition politique que le peuple algérien a connue depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Le peuple algérien a traversé des étapes décisives qui ont mené à des réformes politiques, économiques et sociales et a connu aussi des occasions pour exprimer ses aspirations et ses revendications populaires. C'était le président du MSP, Abdelali Hassani. Une secousse tellurique d'une magnitude de 3 sur l'échelle de Richter a été enregistrée ce matin aux alentours de 8h30 dans la wilaya de Chlef, indique le CRAG. L'épicentre a été localisé à 11 km au sud-ouest à Wletfers. Une tempête solaire extrême, la première de ce niveau depuis 2003, a commencé hier soir à frapper la Terre et devrait se poursuivre cette nuit, générant d'impressionnantes aurores boréales, faisant aussi craindre des perturbations sur les réseaux électriques et de communication. Il s'agit d'explosions de particules énergétiques et de champs magnétiques partant du soleil, expliquent les spécialistes. Elle est de niveau 5, soit le niveau maximum sur l'échelle utilisée. Selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, les GPS, réseaux électriques, vaisseaux spatiaux, la navigation des satellites et d'autres technologies peuvent être affectées, ajoute l'agence. Saviez-vous que la qualité de vos murs ou de vos fenêtres font augmenter votre facture d'énergie? Voilà pourquoi les spécialistes du bâtiment essaient de plus en plus d'utiliser des produits innovants, respectueux de l'environnement et nettement moins énergivores. Voici un reportage réalisé au Batimatech, le salon du bâtiment qui s'est déroulé cette semaine au Palais des Expositions d'Alger. Il est signé Smaïl Mimouni. Pour réduire la consommation de l'énergie d'une habitation, les producteurs des matériaux de construction appliquent des idées innovantes. La maîtrise du procédé de fabrication de la céramique, à titre d'exemple, contribue à réduire les charges énergétiques d'une habitation. Salim Beniram, directeur général de l'entreprise Royal Ceram. Un minimum de jointures permet de ne pas avoir des diffusions de chaleur qui sortent du sol. Donc vous n'avez pas besoin d'utiliser plus votre chaudière, moins d'électricité. Les matériaux de construction moins énergivores permettent aujourd'hui de construire, en plus d'une habitation qui économise de l'énergie, une construction à un coût réduit. Ahmed Saad, project manager chez le groupe Mechri Construction. Si on prend par exemple une construction standard avec des matériaux standards, ça va nous coûter à 2-3 fois plus cher qu'avec une construction métallique. Cette stratégie, ça nous permet de donner l'opportunité et de rendre des zones inaccessibles totalement autonomes en énergie, en utilisant des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques. La formation des architectes est aujourd'hui adaptée aux normes de l'économie de l'énergie. Sabrina Kacher, enseignante et responsable des relations extérieures de l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger. Notre établissement encourage les idées innovantes. Les étudiants sont sensibilisés dès les premières phases. Il faut commencer à réfléchir à cette dimension environnementale et énergétique. Bien définir les besoins selon le type de construction, le respect des normes environnementales et le plan architectural adéquat et adapté aux besoins de la construction, des normes qui contribuent à diminuer la consommation de l'énergie d'une habitation. Il y a la construction et il y a également la rénovation, un processus qui obéit à des règles, surtout lorsqu'il s'agit du vieux bâti. Les matériaux doivent être choisis avec soin pour ne pas dénaturer l'œuvre. C'est ce que on tente d'inculquer aux jeunes stagiaires. Le thème a été abordé à Constantine à l'occasion du mois du patrimoine. Notre correspondante Hayat Kerboua. La dégradation des habitations de la vieille ville se poursuit, causée par les éléments naturels, mais également par la méconnaissance des techniques appropriées à la réhabilitation de ces anciennes maisons et au manque des artisans spécialisés. Écoutons Mariam Fantasi, directrice de l'annexe de l'Agence nationale des secteurs sauvegardés de Constantine. Les ateliers visent à initier les apprentis du centre de formation professionnelle Ahmed Boudermine et les habitants aux techniques artisanales anciennes, afin qu'ils puissent réaliser eux-mêmes des petits travaux d'entretien, ce qui contribue à préserver le patrimoine immobilier et le caractère architectural de la ville et permet d'apprécier les savoirs traditionnels et les transmettre aux générations futures et assurer la pérennité du patrimoine bâti. Des ateliers pratiques pour sensibiliser et encourager les élèves de centres de formation professionnelle ainsi que les citoyens à utiliser les bonnes conduite et à bannir certains matériaux incompatibles avec le vieux bâti afin de réduire les grosses dégradations des habitations de la vieille ville. Constantine Hayat Kerboua, Alger Chin 3.
La suite du journal avec l'actualité sportive, Redouane Bendelli, bonjour. Bonjour Céline. Alors l'événement de ce week-end, c'est ce Tour d'Algérie de cyclistes qui débute cet après-midi à Oran. Oui, c'est l'événement, puisque c'est le coup d'envoi du Tour d'Algérie cycliste 2024 qui débute à Oran, où nous avons en direct avec nous Rostom Yahya-Chelif pour nous présenter justement ce coup d'envoi cycliste. Rostom, bonjour. Redouane, Céham Bacha, bonjour. Et oui, départ à 14h, coup d'envoi à 14h de cette première étape, ou plutôt le Grand Prix de la ville d'Oran qui donnera le coup d'envoi de cette 24e édition du Tour d'Algérie cycliste 2024. Une boucle de 6,5 km à partir du Centre international des conventions ici à Oran à refaire, une boucle à refaire 18 fois où sur la ligne de départ, 73 coureurs représentant 15 équipes prendront part à ce Grand Prix de la ville d'Oran où au coup d'envoi, il y aura pour donner ce coup d'envoi le président de la Fédération algérienne de cyclisme, Kheddine Balbali, et le commissaire du Tour d'Algérie cycliste 2024, le belge Ludo Smeers. Rendez-vous à 14h pour le coup d'envoi de ce tour, ou plutôt ce Grand Prix de la ville d'Oran. Rendez-vous est pris. Merci Rostom Yahya-Chelif. On continue nous concernant avec le football et la suite de la 25e journée de Ligue 1 cet après-midi. Oui, une 25e journée qui avait d'ailleurs débuté hier avec deux rencontres. L'USM Alger avait battu le Mouloudiad d'El Bayet 2-1. L'entente de Sétif a pris le meilleur sur l'US Souf 3-0. Et l'US Souf qui du coup eh bien, est officiellement relégué en Ligue 2 après cette défaite. Aujourd'hui, la suite avec le leader qui se déplace à Khanchla pour affronter l'USM Khanchla dans un match difficile pour les hommes de Patrice Baumel, et le leader qui sera bien sûr le match du leader qui sera suivi avec grande attention par ses poursuivants, à commencer par le CS Constantine deuxième qui se déplace à Tizi Ouzou pour jouer contre la JS Kabylie. De son côté, le Chabab de Belouizdad lui jouera un derby face à l'étoile de Ben Aknoun, et dans le bas du tableau il y a bien sûr le Mouloudia d'Oran qui se déplace à Biskra pour affronter l'US Biskra. Les autres rencontres, le Paradou Athletic Club face à la SO Chlef, le NC Magra face à la JS Saoura. Toutes les rencontres débuteront à 17h et seront en direct sur nos ondes, bien sûr, dans Sport sur la 3. En Ligue 2, quelques rencontres importantes, on va commencer par celle du groupe Centre-Ouest. Le RC Kouba, qui est deuxième, qui accueille le leader, l'Espérance de Mostaganem. Et les autres rencontres principalement concerneront le bas du tableau avec Wydad Boufarik, Nad de Hessein Diaz, Modoran, Olympique de Médéa. Dans le groupe Centre-Est, le match phare de ce groupe Centre-Est aujourd'hui sera celui de l'Olympique Akbou qui s'apprête à fêter son accession historique en accueillant le NRB Tlerma. En cas de victoire, eh bien, les joueurs de Morad Karouf pourront célébrer leur accession. Les autres matchs concerneront essentiellement également là les équipes qui jouent dans le bas du tableau, comme l'USM Annaba face à l'IRB Wergla, également la SAIM Lila face à Chel Romlaïd, ou alors également le MC Lulma qui lui est également en queue de classement et qui jouera à Constantine face au MOC de Constantine, alors que Sol Roslen accueillera l'USM El Harach à huis clos. Merci à Adouane Bendali, merci également à nos réalisateurs. Aujourd'hui, Ahmed Dadou était aux commandes. On remercie Samir Al-Hamoudi qui était à la technique, Hossine à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.